Bonjour tout le monde. C'est ma première vidéo. Je suis Saba. Je vous demande d'être un peu indulgent quand même pour la première vidéo. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire ce pantalon. C'est un pantalon pour nouveau-né. On va dire jusqu'à 3-6 mois, sans problème, à mon avis. On va commencer par le premier morceau qui est là, donc la ceinture. Pour faire ceci, il va vous falloir une laine. Comme vous voyez, donc moi j'utilise du alizé, bien sûr, il y en a plusieurs pour bébé, c'est à votre choix. L'important c'est que ça soit fait pour bébé, que en général moi je choisis le 100% acrylique parce que ça évite les allergies. Je vous propose donc de commencer. Bien sûr, vous pouvez varier les couleurs selon votre goût, selon le bébé, ça peut être une fille ou un garçon, et ou bien mettre plusieurs en même temps. Donc pour commencer, on doit faire un nœud. Je vais quand même un tout petit peu zoomer. Je vais me demander quelques secondes. Voilà, j'ai un peu arrangé, mais c'est pas fameux. On va commencer par enrouler notre crochet. En général, moi, ce que je fais, c'est que je ramène le bout en dedans. Ça me fait un nœud comme ça, comme vous pouvez le voir. Je mets mon crochet dedans. Et puis, je tire. Bon, en général, ça marche le premier coup, mais là, je recommence. Voilà. Je laisse un bout un peu plus grand, comme ça, je pourrai au fait le récupérer un peu plus tard. Donc, comme je vous ai dit, vous aurez besoin de la laine, d'un crochet. Là, j'ai 5 mm. Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est transparent. Et on commence par 6 chaînes. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, donc on laisse la première, on va passer sur la deuxième et on fait un crochet simple, comme ceci. Hop, 1. Au total, on va avoir 5. Je ne sais pas si c'est le stress de la caméra, mais là, je ne peux plus crocheter. 3, 4, et hop, et la cinquième enfin. Si je continue comme ça, on aura le pantalon l'année prochaine. Ok, là, on va faire une chaîne. On retourne le travail. Par contre, là, comme vous voyez, il y a un et deux côtés. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre sur le dos. On va pas prendre toute la chaîne comme ceci. Mais on va le prendre sur le dos. Donc on prend le dos et on fait une chaîne. Quand faut-il y arriver? On recommence. Deuxième chaîne. On recommence. Troisième chaîne. On recommence. Quatrième chaîne. Et on recommence. Et là, on a notre cinquième chaîne. Donc ça fait 1. Et là, mesdames, messieurs, je vous demande beaucoup de courage parce que ça demande 60. C'est vrai que c'est énorme, mais c'est assez rapide, concrètement. Donc on recommence une chaîne en arrière. Deux chaînes. Troisième chaîne. Quatrième chaîne. Et cinquième chaîne. Encore une chaîne en l'air et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on fasse 60. En gros, ça va nous faire cette ceinture. Voilà, comme vous voyez le tout ici. Et puis on se retrouve dès que vous avez fait les 60 chaînes. Donc on va effectivement donc finir nos 30 chaînes, enfin nos 60, pardon, 60 lignes. Si jamais vous vous trompez dans les calculs, c'est tout simple. Il faut juste compter les lignes qui sont en avant, ou bien ceux qui sont en arrière, c'est à vous de voir. Et le total devrait être 30, ce qui va être divisé par 2, ce qui nous fait les 60 lignes qu'on voulait. On va devoir attacher les deux bouts. Donc on commence déjà par faire rentrer notre crochet sur le deuxième, le premier point, pardon.
faut bien que ça soit une en face de l'autre. Hein. Faut pas se tromper sur ceci. Vous faites rentrer dans le premier nœud, on va dire. En rabat une fois, en rabat deux fois, puis en rabat sur notre dernier point de crochet. Encore une fois, deuxième. On fait rentrer le crochet sur les deux lignes. En rabat une fois. En rabat deuxième fois, puis sur notre premier crochet. On continue cette opération sur les 5. Donc on rabat, enfin on fait rentrer notre crochet sur la troisième chaîne des deux côtés, on rabat sur les deux et puis on garde. Là on est sur la quatrième. On rabat, hop, pardon. On rabat et puis on fait rentrer dans notre crochet. Et enfin la cinquième qui est ici. On rentre, on rabat et sur le dernier. Voilà, donc nous on vient de, on va dire, recoudre notre ligne. Ceci on va laisser pour la fin pour pouvoir le coudre avec l'aiguille. Donc on le fait rentrer pour qu'il ne nous gêne pas. Ensuite on va faire deux chaînes. 1, 2, on aura besoin au fait de la première, on va dire, pour pouvoir la calculer. Et on commence à faire un crochet simple sur chaque trou. Ça nous fait 1, 2, 3 et on continue comme ça sur toute la ligne jusqu'à avoir 60 crochets, 60 chaînes. 4, si vous avez envie de compter, vous pouvez voir ici en face, ça fait 1, 2, 3 et 4. Et puis vous continuez ainsi de suite jusqu'à la fin de votre ligne. Et je reviens vers vous. Voilà, donc on a fait nos 60 chaînes. On va rabattre sur la première qu'on a fait au tout début. Allez. Oh mon Dieu. Hop, enfin. Voilà. Et là, donc on va commencer la longueur dans ce pantalon-là, vous pouvez voir. Donc en fait, c'est cette longueur-là qu'on va essayer de faire. Je ne sais pas si c'est assez focalisé, voilà. Donc c'est cette longueur à partir de ce point-là jusqu'en haut. Et pour ceci, il va nous falloir faire 11 chaînes de double crochet. On commence par chaîne 1, 2, 3. On va rabattre la laine. On va sauter celle-ci et aller sur la suivante. Non, on va rester sur la même, au fait, excusez-moi. On rentre notre crochet, on tire la laine. Là, vous voyez qu'il y en a 3. On va prendre notre crochet, on va le faire sortir des deux lignes. Et on reprend le crochet et on le fait sortir des deux autres lignes. C'est ce qu'on appelle un double crochet. On refait encore une fois l'opération. Donc, on rabat la laine, on rentre dans notre chaîne. On reprend et on tire. On reprend la laine, on passe sur les deux. On reprend encore une fois la laine et on passe sur les deux. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait 60 doubles crochets puisqu'on va utiliser chaque chaîne, on va dire. Et dans chaque chaîne, on va mettre un double crochet. Il faut bien faire attention, bien entendu, quand vous ramenez la laine, il faut bien rentrer dans le trou ici. Non pas en bas, dans le grand, mais ici. Quand vous regardez, vous avez deux points. Vous voyez? Donc là, on prend un, on rabat sur deux, on rabat encore une fois sur deux. On reprend la laine, on fait rentrer dans notre crochet, on tire, on prend deux, ensuite deux, et ainsi de suite, comme je vous ai dit, jusqu'à la fin de la ligne, où vous allez avoir 60 doubles crochets, et je reviens vers vous dès que c'est fini la ligne. Voilà, donc on a fait les 60 chaînes, pardon, 60 doubles crochets. Maintenant on va rattacher avec la dernière. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3 crochets. C'est sur le troisième qu'on va tirer. En fait, quand vous prenez le troisième, il vaut mieux prendre les deux bouts parce que comme ça, ça va ressembler à un crochet normal. Et on tire et on rassemble. Puis on fait encore 3 chaînes. 1, 2, 3.
Et là, on va recommencer depuis le début. Là, il faut compter que c'est déjà 1, donc il faut passer sur la deuxième. On va refaire l'opération pour 11 lignes. Bien sûr, tout en comptant les 60 doubles crochets, si vous vous rappelez bien. Vous voyez que là, il y a une ligne. Ça, c'est la deuxième. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à avoir 11 lignes. Je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini mes 11 lignes, comme vous pouvez le voir. Et là, l'étape suivante, c'est de rattacher, bien sûr, comme on a fait pendant les précédentes lignes, précédents rangs. On fait 3 chaînes. Et là, à partir de celui-là, en comptant celui-là, il va falloir faire 30. Donc ça nous fait 1, enfin double crochet, hein, toujours. Ça fait 2 au fait, 3, 4, 5, hop, 6, 7 double crochet, hop, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hop, 20, 21, 22, 23, 24 double crochet, 25, 26, 27, 28, 29, sachant qu'on a compté le premier. Et donc là, on vient, on fait 30. Comme je l'ai précisé, donc ce coin-là, celui-là où on a commencé depuis le début, vous voyez, ça, c'est le derrière. Quand on arrive à 30, on va rattacher les deux bouts qui sont ici. Et ça va nous faire le premier pied. Bien sûr, on attache toujours sur le troisième. 1, 2, 3. Comme ceci. Et là, donc on fait 1, 2, 3 chaînes. Et en comptant cette ligne, on va devoir faire 9 autres. Donc ça nous fait au total 10 pour avoir la longueur réelle du pantalon. Donc on va faire 10 lignes comme ça de double crochet, 30 en l'occurrence, et je reviens vers vous. Donc voilà, on a fini nos 10 lignes. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là tout de suite, on va commencer par ce qu'on appelle la diminution. C'est très simple, donc on fait nos 3 chaînes. Là j'en ai déjà fait 1, 2, 3. Ensuite on va rabattre la laine, on prend le premier ici, on rabat, deuxième, on rabat, et là on va avoir 4, sur les 4 on rabat sur les 3, 2 et 3, ensuite deuxième, je vais refaire l'opération, je rabat, je prends, je rabat, ça fait 3, je reprends, je rabat, ça fait 4,
Je passe sur les trois premiers, ensuite je rabats et je prends sur les deuxièmes. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on finisse la ligne. Comme je vous l'ai expliqué, donc cette vidéo c'est ma première. J'espère que je me suis bien débrouillée. J'attends quand même vos commentaires s'il y a quelque chose à modifier. Si ce n'est pas clair, posez vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous pensez qu'il y a quelque chose que je dois changer dans la méthode, n'hésitez surtout pas. Juste pour savoir, cette vidéo elle existe déjà en anglais, chez une personne que je vais citer un peu plus tard, Yolanda, je pense, c'était son nom. Mais j'ai préféré quand même la faire en français, vu que les recherches en français sont moins... Bon, on va dire que j'ai choisi quand même de le refaire en français, c'est plus simple, pour les francophones. Donc, je continue sur tout au long de la ligne. Hop, et hop. Si cette vidéo vous plaît, je pense que je pourrais faire d'autres sans aucun souci. Soit que, on va dire, ça va être soit des... Comment je vais formuler ceci ? Des habits pour enfants, pour bébés, des accessoires, on verra, c'est à fur et à mesure. Bien sûr, si vous avez des demandes spécifiques, vous n'hésitez surtout pas. Je vais essayer de faire des vidéos autant que je peux. Donc moi, je continue ma ligne. Hop. Continue, on rabat, toujours, on diminue. L'idée c'est quoi? C'est de serrer le pantalon en bas pour qu'il soit pas très large, pour qu'il puisse pas faire passer, on va dire, le froid. Puis c'est beaucoup plus à l'aise pour le bébé. Hop. Et hop, c'est ma dernière, je pense. Pardon. Et voilà. Donc oui, c'était la dernière. Je rajoute sur le troisième et... Je remets. Maintenant, il y a deux méthodes. Soit on va faire un simple crochet, c'est-à-dire venir ici, faire comme ceci, rabattre. Ça, c'est une des méthodes. Soit, ce que moi, je préfère, c'est d'avoir ce résultat-là, juste comme la ceinture au fait. Et ça, c'est très simple. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Ce qu'on va faire, c'est trois chaînes. Deux, trois. On va prendre, et là, au lieu de passer sur le point ici, on va prendre cette première maille qui est là. Vous voyez, je passe derrière. On l'appelle la maille en avant, bien sûr. Je prends, je rabats, et là, je fais un double crochet. Hop. D'accord, faut y arriver. Et hop. Je reprends, et là, au lieu de passer en avant, je vais passer en arrière. Vous voyez? Je le prends, et c'est en arrière que je le vois. Je rabats et je fais mon double crochet. Encore une fois, devant, je fais mon double crochet. Arrière, je fais mon double crochet. Et ainsi de suite. Devant. Cette opération, on va la refaire sur deux lignes pour avoir la longueur qu'on souhaite. Derrière. Devant, derrière, devant, derrière, hop, devant. Derrière, encore une fois devant, derrière, et jusqu'à ce qu'on finisse notre tour, devant, et c'est bon, voilà, donc on a eu le devant, il nous reste une seule en arrière, pardon, qui est celle-ci. Et on rassemble, toujours sur le troisième. Deuxième et dernière ligne.
c'est exactement la même chose, puisqu'on était sur le devant ici, on va encore une fois être sur le devant. En arrière. Devant. En arrière. Devant. Arrière. Puis juste après, quand on va finir cette opération, on va clôturer avec le premier pied. Et on va commencer le deuxième. Hop. Il fallait bien en louper une au moins. Devant. Derrière. Devant, derrière, hop, devant, derrière, et je pense que c'est la dernière. Effectivement, c'est la dernière. Et voilà. Et donc, on fait un nœud. Et puis on va couper à une certaine longueur, on va dire ici, pour pouvoir le coudre après. Et ça nous donne ça. Ça nous donne un pied confectionné, comme je vous l'ai montré sur le premier modèle. Voilà, donc on a fini la dernière étape. Vous voyez, j'ai laissé beaucoup de fil pour pouvoir coudre ensuite. Hop, j'ai perdu ma laine. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième pied. Vous voyez que ici c'est le dernier double crochet. On va prendre ici, on va prendre notre laine, on va la passer. Ensuite, on prend le morceau qui est le plus long et on fait un crochet comme ceci. On fait trois lignes. Bon, maintenant il y a ceux qui vont préférer coudre ce morceau, enfin ceci en dernier. Moi, ce que je préfère, c'est l'intégrer directement. Donc, on commence. Vous voyez comment je l'intègre? Je le laisse sur la même ligne. Comme ça, il va s'effacer petit à petit. Et je fais mes doubles crochets. Vous vous rappelez qu'on était à 30. Donc ça fait 2, 3, 4. Il est toujours intégré, hein, comme vous voyez. 5, 6, 7. 8, 9, hop, 10, 11, 12, 13, qui va rester du bout de fil, on va le couper un peu plus tard. 14, 15, 16, 17, 18, on fait toujours des doubles crochets. 19, 20, 21, 22, 23, hop, voilà, 24, 25, 26, 27, 28, 29, et puis 30,
30. L'autre, il est déjà avec un double crochet ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va unir les deux bouts. Hop, et on resserre. Vous voyez qu'il y a un trou. Celui-là, on va le travailler juste à la fin. On va le coudre, on va dire, tout seul. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez un trou, ce n'est pas de votre faute, c'est comme ça. Donc on fait 3 chaînes et là on va commencer la même chose que ce qu'on a fait avec le premier pantalon, enfin le premier pied du pantalon, c'est effectuer nos 10 lignes en comptant celle-ci, bien entendu. Donc réellement il nous reste 9 et puis je retourne vers vous. Concrètement, bon, c'est même pas la peine que je retourne vers vous après. Concrètement, ce que vous allez faire, c'est les mêmes étapes que le premier pied. Quand vous finissez vos 10 lignes, vous diminuez dans la première ligne. Ensuite, vous effectuez, donc comme je vous ai dit, avant-arrière, pour 2 lignes, et puis vous allez finir. Et à la fin, je reviens vers vous pour vous montrer comment on coud le trou au milieu et comment faire la jolie ceinture qui est en haut. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait le deuxième pied, comme vous le voyez ici. Maintenant, on va retourner notre pantalon pour pouvoir coudre la partie que je vous ai dite précédemment. Comme ceci. Vous voyez, le trou, il est bien visible. Les pampers, ils pourront bien se faire voir. Non, je rigole. J'ai pris de la laine. Je l'ai enfilée dans une aiguille spéciale laine. Bon, celle-là, elle est petite. En général, j'utilise une plus grande, mais j'ai peur que vous voyez la mienne et après, vous allez vous dire que vous n'en avez pas. Donc, j'ai pris une normale. C'est une aiguille qui n'est pas aiguë, vous voyez. Et ça permet au fait de rentrer dans tous les trous. Bien entendu, vous laissez un grand morceau ici. Et vous prenez assez pour pouvoir faire votre, enfin, coudre votre trou. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est à peu près la même étape que si on crochet. Donc, on va prendre la première ici. Hop, première maille avec la première ici. On va monter comme ça. Et là, il faut bien regarder à laisser assez de place pour pouvoir coudre le morceau qui reste. Voilà. Et on continue. Seconde maille. Et là, on va retourner dessus, comme ça, ça va apparaître comme si on a crocheté la partie. Vous allez voir quand je tire, ça donne ça. J'espère que c'est assez clair. On continue les autres. Hop, on passe par-dessus. Encore une fois. Pour ceux qui se demandent quelle est la motivation au fait de recopier un même tutoriel qui se trouve déjà sur YouTube, comme je vous ai expliqué, moi en général quand je fais mes recherches pour quelque chose, la plupart sont soit en anglais, soit en espagnol. Les termes dans les vidéos anglaises, ils utilisent vraiment des termes très techniques. Donc même si vous comprenez l'anglais après slip stitch ou half double crochet ou des mots assez compliqués, il faudrait déjà comprendre le langage du crochet lui-même en anglais pour pouvoir continuer et suivre les vidéos. D'où mon initiative au fait de le faire en français. Actuellement, je n'utilise toujours pas des mots techniques à 100%, à part le double crochet que j'ai parlé et puis la chaîne et maille. Je vais essayer un peu plus tard d'utiliser les mots conformes, mais je préfère commencer très très simplement. Maintenant, on a fini, on va faire deux fois... Pardon, on va faire une seule fois. Et là, il va falloir cacher. Donc, cette ligne, ici. Vous allez voir, je passe par ici. Par là. Hop. Et je vais essayer de le cacher dans plusieurs mailles. Pour qu'on ne puisse pas le détecter. Comme ceci. Je vais passer ici. Et je pense que ça ira. Et je vais couper juste à la fin.
comme ceci. Donc voilà, le pantalon il a été cousu. Maintenant il va falloir cacher les autres fils. Vous m'excuserez une seconde pour que je puisse enfiler. C'est pas vraiment évident. Donc moi ce que je vais faire, je vais prendre quand même l'aiguille dont je suis habituée. Elle est vraiment très grande, hein. Comme vous allez le voir. Ce n'est pas que je suis myope, mais je préfère, c'est beaucoup plus simple. Donc, on fait comme cela, on fait la même chose. On va cacher donc, l'extrémité sur les crochets déjà faits. Hop. Et hop. Voilà, ça ira. Je coupe vraiment à l'extrémité et je continue avec tous les fils que j'ai ici. C'est une opération assez rapide si vous avez la bonne aiguille. Ce n'est vraiment pas difficile. L'idée c'est de cacher. Bien sûr, on va pas offrir un pantalon avec des fils de partout, le bébé il va en tirer et tout ça. Et puis comme ça c'est parfait comme travail. Hop là, ça c'est fait, il nous reste que les deux derniers qui sont ici. Pour ça que je vous dis, laissez quelque chose de long. Maintenant, il y a ceux qui ne laissent pas beaucoup, après ils ont des aiguilles qui sont petites et ils sont habitués, on va dire. Mais je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus à l'aise de faire cela. Hop. Et hop. Voilà. Encore un. Et on est prêt pour passer à la ceinture. La ceinture, elle est vraiment très très simple. L'idée, c'est de pouvoir resserrer le pantalon au niveau du haut quand on met le pampers. Ou bon, les couches, on va dire. Désolée du pampers, parce que je suis habituée avec mes deux enfants. J'ai utilisé la même marque, donc j'arrête pas de répéter le même mot. Voilà, donc notre pantalon. J'en ai encore une ici. Ah oui, ça c'est celle qu'on avait cachée pendant notre travail du crochet. Et votre pantalon est prêt. Et quelque chose est tombé par terre. Voilà, donc ça, c'est notre pantalon. Vous avez vu, hein, les couleurs, ça change. Ça fait très joli, au fait. Bon, maintenant, on va passer à la dernière étape, qui est la ceinture. Là, c'est très simple. On va faire que des chaînes de mailles. C'est comme son nom l'indique, c'est des mailles. Donc, on va faire 1, 2, 3. Il faut en faire 150, au fait. 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 9, 40, 43, 44, 45, 6, 47, 48, 49, 50. Cent, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit,
C'est quand on essaie de se presser que ça donne ça. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Et 50. On en a 150. On va couper notre fil comme ceci. La même chose qu'on va faire avec les extrémités pour qu'on n'ait pas cette ligne comme ça, qui n'est pas très très esthétique. Je vais faire exactement la même opération. Je ne sais pas si c'est clair, oui. Voilà. Et je le fais rentrer sur mes mailles qui sont déjà cousues. Hop. Et voilà, nickel. Je vais couper. Et je vais faire de même sur l'autre extrémité. Donc ici, nous avons les 150 chaînes. Ça peut paraître énorme, mais c'est à peine. Comme ça, on pourra faire un joli nœud. Et si le bébé il le tire, on aura toujours l'autre extrémité. Hop. Et voilà. On y est presque. On coupe. Bon, il nous reste à savoir comment la monter. C'est très simple. Donc là, c'est la moitié. On va commencer par ici. On fait rentrer un. Et on sort. En fait, on fait rentrer donc ici. Et on sort de l'autre côté. Et ça va nous faire une entrée, une sortie. Tout au long du pantalon. On le met jamais sur la ceinture elle-même qu'on a fait au début parce que tout d'abord il n'y a pas de place et ensuite quand vous allez serrer ça va se rassembler en une petite file comme ça parce que bon ce n'est pas très commode. Désolée pour la petite coupure mais la carte elle était pleine. Donc comme je disais, on continue ainsi de suite. Hop, on reprend à chaque fois. Jusqu'à ce qu'on fasse le tour. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser une pince. Comment on appelle ça déjà ? Une pince nourrissant pourrait l'attacher ici et puis la faire passer, ce sera beaucoup plus simple que de le faire à la main comme je le fais là tout de suite. Mais bon, ça c'est des petits détails, vous allez voir. Quand vous allez apprendre à faire le crochet ou que vous êtes déjà habitué, il y a des astuces qu'on trouve qui facilitent un peu les opérations. Donc comme je disais, je vous ai déjà proposé sur les autres vidéos si vous avez des projets en tête. Ça peut aussi consister en des cours tout à fait simples de comment faire un double crochet ou les techniques en elles-mêmes. Ça ne me dérange pas du tout de les faire. Il faudrait juste que je sache de quoi vous avez besoin pour vous inciter à commencer le crochet. Croyez-moi, ça va changer votre vie. C'est vraiment quelque chose de magnifique de savoir qu'on peut faire beaucoup et réaliser beaucoup de choses tout simplement avec de la laine, un crochet et vos petites mains. On y est presque. Hop. Hop. Si vous n'avez pas de bébé, ça peut être un très joli cadeau aussi. Ou bien carrément, vous pouvez les mettre en vente. C'est à vous de voir. Et voilà. Donc là, on a notre pantalon. J'espère que c'est visible. Là, on va un tout petit peu serrer. Juste pour voir la différence. Et puis là, on fait notre joli nœud. Hop, comme ceci. Et c'est fini. Nous avons notre joli pantalon. Avec le deuxième, bébé, il sera bien au chaud pendant l'hiver. Comme vous le voyez ici aussi, je vais essayer de déplacer un peu la caméra. Si j'y arrive. Voilà.
Vous avez vos deux pantalons qui s'enfilent. Là, comme je vous ai dit, soit ça peut être avec une couleur unie, vous pouvez changer, par exemple, je ne sais pas, cette partie-là, vous pouvez la faire en trois étapes avec trois couleurs différentes et continuer ainsi de suite sur tout le pantalon sur différentes couleurs. Ou alors, vous choisissez une laine comme moi qui est déjà, on va dire, coloriée. Vous avez vu, ma laine, elle est restée, on va dire, plus que la moitié. Donc, réellement, concrètement, avec une seule laine, vous pouvez en faire deux, tranquillement. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous sera très très utile. Et puis n'hésitez surtout pas, j'attends vos commentaires. Au revoir et à bientôt.